il s'agit d'une exposition qui contient en fait des réalisations de personnes en situation de handicap avec lesquelles j'ai fait pendant 3 ans des ateliers, des rencontres, des actions collectives. Et au fur et à mesure de l'avancée du projet, j'ai récolté pas mal de matière. Et ensuite, j'ai fait une petite sélection, puisqu'il y en avait beaucoup. Et j'ai créé une scénographie d'exposition qui permet à la fois d'exposer ces réalisations et aussi de pouvoir les transporter. Avec l'idée derrière de sensibiliser à l'handicap. Comme les professeurs de Yann Siège de Chambéry, qui est plus proche, ils m'ont dit que mes dessins étaient incroyables. Alors ils m'avaient appelé Maria et tout. On s'est contactés. J'ai rencontré plein d'autres gens comme ça. Mais malheureusement, même si moi je suis m'entendant, je serais fière de moi-même aussi. J'avais une marionnette, j'ai fait. Là, c'est la terre, j'ai fait. La terre. Si un lieu, une structure qui accueille du public a un projet particulier, peut-être en lien à l'art ou à l'handicap, il peut se saisir de l'exposition pour en faire un outil et d'enrichir son propre projet. C'est ça l'idée. Et donc, elle sera empruntée par ceux qui le veulent bien.